Racine, c'est pas mal. Et le buggy, bah le même, mais à Carolexan pour rouler sur piste. Ou terrain bien plat. Voilà. Ah, mais j'ai. On dirait que j'ai des coupures là. Ouais. Ah, tu as fait un dépôt. Ah, ok. Ouais. D'accord. Bah t'as eu du bol que ça se barre pas. Wow! L'arbre, je me le suis bien pris. Ouais, de face. Bah ouais, là pour l'instant, j'espère que j'ai rien cassé. Mais ce qu'il y a de bien avec ces triangles-là, j'avais pas fait gaffe devant, c'est que celui de droite, on peut le mettre à gauche et inversement. Ouais. Ouais, j'avais pas fait gaffe sur le coup, donc ça c'est bien. Comme c'est vendu par paire, Donc tu peux les mettre là ou là. voilà. Comme c'est vendu par paire, si je casse toujours le même côté, ben, au moins j'en ai toujours pas un en rame, quoi. Voilà. Ah, je me suis bien pris l'arbre de face, hein. C'est quoi, c'est Saloperie. une dizaine d'euros l'arbre. Ah non, même pas, je crois. Je les ai eu. Il faut regarder sur RCTIM. Non, non, c'est pas cher. Ça doit être dans les 7-8 euros, je crois, il me semble. Il me semble, hein. Puis j'ai pris des pièces. Oh, bah ben merde! Eh, je vais finir par le péter là! Une dizaine d'euros, ouais. Ouais, je vais finir par le péter, ça fait deux fois que je me prends l'arbre! C'est super bien équilibré. Mais les autres, fais les toits remboursés, hein! Bah si. Ouais, mais c'est pas grave. Putain, mais la cage là. Ouais. C'est plus fait pour rouler sur de l'herbe ou du sable. Que la cage elle est fragile quand même, hein. Oh merde! Bah alors! C'est fou ça! Ah, le max! V1, je précise.
Ouais, c'est là, je sais pas pourquoi, putain, merde. Ouais, il est sympa comme ça, franchement. Wow. Faudra que je voie combien ça coûte la cage. Pour si c'est pas trop cher, la remplacer puis la renforcer. Voir si je peux faire quelque chose. Oh, j'aurais presque pu faire un backflip. Ah, plus de lipo déjà. Eh, mais 4S, ouais, ça fait pitié. Mais 4S, mais ah, bah, ça y est, plus de... Ah si, ça coupe, ça remonte. Ah, bon allez, on va arrêter. J'aurais vidé ma première lipo, je vais voir sur la vidéo combien de temps ça aura duré, mais ça aura pas duré longtemps. Bon, maintenant la chauffe. Bon, je laisse mes doigts dessus, aucun problème. Voilà, bah nickel, je suis content. Ouais, bon, la cage, voilà. Hein, elle est cassée là. Bon, elle était cassée déjà d'avant. Ah bah, voilà, elle n'était pas cassée là. Bah, elle est cassée, elle est cassée là. Elle est cassée là, bah oui, voilà. Et c'est ce qui renforce, ce qui rigidifie le châssis. Donc, les jumps, on va arrêter là. Hein. Il faudra que je mette les renforts du buggy. Parce que ça serait ballot que je pète que je plie le châssis bêtement. Voilà. Ouais, la cache est vraiment. Ouais, bah là, celle-là, elle est à remplacer. Hein. Il n'y a pas d'histoire. Hein. Voir pour glisser quelque chose dedans, je sais pas. C'est étudié. Bah sinon, sympa. J'ai bien aimé. Allez. Bah, le Trudy, je sais pas si je vais le jumper avec, parce que j'ai pas envie de péter la cage aussi. Hein, il suffit pas de beaucoup de rater, mais ben voilà quoi. Hein. Et j'ai le X-Vax. Allez, je reviens.